Hello les gars, hey. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog à Londres. On est devenus des petits British depuis 3-4 jours, voilà, on adore cette vie. Je vous explique le contexte, on est censé venir pour Halloween et on était censé rester que 2 nuits. Après on se cassait, on rentrait à Paris et voilà. Sauf qu'on est toujours là. Voilà, 5 jours après, on a prolongé. Sur un coup de tête, on était déjà sur un One Life, alors on s'est dit bon, pourquoi pas le prolonger. On était en mode One Life, on s'est dit One Life, tout One Life, voilà. C'est tout One Life. En fait on était déjà venu à Londres une fois, on avait bien aimé mais on n'avait pas... On n'avait pas kiffé parce qu'on a fait clairement les trucs touristiques à mort. Ouais. Aller voir Big Ben, aller voir le château du roi. C'est bien à faire, oui, mais bien, du coup on n'a pas ressenti la vibe de Londres. Voilà. Et là cette fois-ci... On l'a ressenti. Et on a envie d'habiter là. Sauf le froid. Mais sinon on adore Londres. Voilà, oui, c'est vrai qu'il fait très très froid. Ils vont geler le cul. Bon bref, aujourd'hui on voulait faire un vlog en faisant le plus d'activités à Londres en seulement 24 heures. Comme on est venu pour Halloween, la première soirée on est sorti en club. Et nous faut savoir qu'on ne sort genre jamais. C'est qu'on est des casaniers, nous on reste dans notre lit le soir. On est des yeufs, ouais, et puis on fait notre petite routine, on aime bien. On met notre série et puis on s'endort devant la série quoi. Voilà. Comme les vieux. Comme les vieux. C'est tout. Quand on sort, notre corps fait wouhou. Il se dérègle quoi. Du coup on n'a pas trop profité et on s'est dit bah écoute là on se donne une journée. On fait le maximum de trucs en un minimum de temps histoire de vraiment rentrer à notre séjour. Les gars c'est parti, on va pas perdre plus de temps parce qu'une grosse journée nous attend. C'est parti pour la première activité. Let's go. For you, yes. Breakfast for you. Yes. Bon les gars, on a reçu le petit déj. Petit déj traditionnel des Anglais, voilà c'est le manche de matin. Heureusement que je suis pas anglaise. Déjà, moi, je suis une sucrée le matin. Et là, ça me dégoûte. Après, ça se trouve, c'est bon. Non, en fait, ça me dégoûte. Il y a des beans, des champignons, une saucisse. Ça me dégoûte, alors ça, je peux pas la manger. Un œuf, je crois que c'est des pommes de terre sautées. Ça, j'aime bien. Ça, j'adore. Du bacon, et ça, par contre, je sais pas, on dirait de la merde, ça me dégoûte. C'est parti, dégustation. De l'horreur, la pire du monde qu'on ait jamais faite. Je repousse le moment de tout à l'heure. On commence par les beans. On dirait du ketchup la sauce. C'est des beans au ketchup. Du ketchup, c'est sérieux là. Oh non, le bacon il pique la sauce. Oh, ça me dégoûte. Parce que eux ils kiffent, moi toi ton petit déj de rêve c'est... Bah moi c'est mes brioches Nutella. Voilà, et bah eux c'est genre ça. Mais oh mon dieu, ça je peux pas. Non, dans les pancakes. Ça me met les frissons carrément. Moi je peux pas. Je vais te la faire. Hein, 3, 2, 1. Bah c'est douteux mais c'est pas mauvais je trouve. Non, c'est douteux donc j'aime pas. Je sais pas c'est quoi la tradition bizarre mais je m'en souviens pas de ce petit déj. La saucisse là, déjà je mange pas l'extrémité, c'est mort. Oh mon dieu. Non, la saucisse vraiment chez moi là. Non, ça va. La texture ça me dégoûte. J'aime bien moi. C'est le pire truc que j'ai jamais mangé dans ma vie, c'est bon. Et tu dis ça à chacune des dégustations bizarres qu'on fait quoi. Ça m'écœure là. Genre toi tu vas continuer monsieur le conflit. Bah, on va pas gaspiller tout ça. Ça me choque que tu manges comme ça. Moi, la seule chose que j'ai aimé, c'est la saucisse. Moi, c'est. Je sais pas pourquoi je réfléchis en fait. Je suis désolée, hein, s'il y a des anglais, enfin français d'origine anglaise, mais votre breakfast, elle est dégueulasse. Hein. Dégueulasse. Je préfère manger comme les Américains, avoir un burger le matin que manger ça. On n'a pas goûté les pancakes. Ah oui, putain, les pancakes. Ah ouais, il y a du sirop d'érable. Mais c'est une blague. Hein. C'est noté combien tu m'as dit sur internet? 4,6. C'est pas possible. Les pancakes que je fais maison alors que je suis une grosse nulle en cuisine, je les fais mieux. Pancakes, ice cream, ça me fait. Et l'ice cream, elle est au chewing gum. J'ai pu mettre mort alors. Bah oui, sinon j'ai rien dans le vide, il faut bien finir. Ça, c'est leur spécialité. En même temps, nous, désolé de se planter, mais bon, la gastronomie française, on a les meilleurs produits, quoi. Petite note pour ce petit déj. Zéro. Mais ça va. Moins 40. Ça va. Moins 80. Tu forces. Non, je pense pas. 2. Les tampons, c'est les plus après ça, mais je peux pas. Bye. 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 Allez, salut. Et à jamais. Les gars, du coup, là, on est à Nocine Hills.
c'est mon endroit préféré de Londres. C'est là où il y a toutes les petites maisons colorées et tout. Du coup, on va vous montrer. Si on se fait pas écraser, pas trouvé meilleur endroit que de se foutre en plein milieu de la route. Et on va vous montrer un peu nos cities, quoi. Là où je me refuge, voilà. Où je me ressource. Voilà, où je me ressource. J'aimerais trop habiter là. Si j'habite à Londres, je me prends une maison colorée et j'habite là. Tu te mets ici, genre ? Ouais. C'est loin un peu. Je m'en fous, je me paye une voiture. Et je conduis à la British à droite. C'est mes maisons préférées, c'est là là que j'adore. Regardez, celle-là elle est trop belle, le rose là il est parfait. Bon, on va rester une heure même si je me pèle le cul, ok? C'est bon Léna, tu vas pas toutes nous les photographier. Ah, il est encore dans la peinture. Léna, stop. Tu t'es fait ensorceler par cet endroit. Alors elle, c'est la maison du mercredi quoi. Elle est trop belle. Amazing. La jaune par contre elle est super moche. Bah j'allais dire que je crois que c'est ma préférée. C'est la ratée du quartier. C'est toi la ratée du quartier. T'es malade Léna. C'est juste des maisons colorées, on dirait que c'est... C'est pas que des maisons colorées en fait. C'est une architecture, c'est beau. On va pas avoir une maison comme ça toi. Regarde dans la maison rose, le petit Tyson qui nous attend là, devant la porte. Ah j'avoue, oh, arrête, tu me prends par les sentiments là. Je vais prendre des escaliers, je vais faire un collage, je vais mettre Tyson assis. Avec Léna, on aime trop visiter en fait les petits quartiers genre résidentiels, ouais, genre. Tu vois, ça nous fait kiffer. Oui, genre, on aime pas les musées, mais on aime bien visiter les petits trucs comme ça. Quoi. Et dire en mode si notre vie elle serait là dans le quartier, qu'est-ce qu'on choisirait, comment notre vie s'organiserait. Tu préfères quelle maison là? La rose ou la noire? Et si j'ai de l'argent, je prends les deux. Oh là là, il y a je suis congelée là, je suis au pôle Nord là. Quelle idée aussi de mettre un truc en cuir là. Quelle grosse débile, je commence à être malade. Alors on a 1, 2, 3, 4 couches de vêtements. Moi je pense que je vais en mettre une 5ème et une 6ème et une 7ème. J'aurais des maisons de poupées. Moi j'aurais bien aimé avoir une maison comme ça quand j'étais petite. Hein. À l'intérieur c'est pas des maisons de poupées hein. Bah oui, moi je me serais imaginé que genre je suis Barbie puis je vais dans ma maison quoi. Petite maison de Barbie derrière nous. Ça me rend heureuse. J'ai l'impression en fait ces maisons, elles représentent la joie de vivre, elles représentent plusieurs émotions. Genre il y a une maison qui est sombre, bah c'est la tristesse. Il y a une maison colorée, elle représente la joie. C'est comme un peu vice versa, je sais pas si vous voyez un peu. Voilà, je suis trop heureuse là, j'arrive pas à enlever mon sourire carrément. J'ai l'impression d'avoir fait Miss France, d'avoir mal aux joues tellement je suis trop heureuse. On va bien voir l'intérieur des maisons, comment il est décoré. Next step de la journée, où sommes-nous? Dans l'endroit le plus touristique de Londres, chez le roi. Comment ça s'appelle? C'est quoi? On dit quoi? Le la maison du roi. C'est le château, non? Non mais Léna, la demeure. Le palais. Ah le palais. Ah oui c'est un palais, bah oui je suis débile. Palais royal, non mais c'est dingue hein, quand même. On était venus là du coup. Bah quand la reine malheureusement était encore vivante. Parce que là on va voir le roi, c'est dommage. J'aurais bien aimé la voir une deuxième fois la reine, mais à son âme ouais. J'arrive pas à me croire que c'est plus la reine et que c'est le roi. Oui de ouf, tu vois les billets elle est encore. Oui elle est encore là. C'est un peu logique, ils vont pas changer tous les billets. Mais ça je sais pas comment ça se passe. Ah. Ça va être changé. Voici les nouveaux billets, ils ont changé déjà. Je te crois pas. Je te jure. Mais non c'est un intox, c'est une intox. Non c'est un site privé. Mais ça doit être importé, mais comment tu fais si t'as toujours des billets genre... Bah ça doit être des billets mélangés quoi, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus les billets de la reine, il y aura les billets de Saint-Charles, et puis quand Saint-Charles il sera plus là malheureusement, bah, ce sera le nouveau roi. C'est Charles. Pourquoi tu dis Saint-Charles? Je sais pas. Tu sais pourquoi je voulais te faire dire là? Bah non. Parce que je me rappelle, on avait grave rigolé l'autre fois. Bah, il y a les gardes devant oui, qui on font les un spectacle et on les critiquait. Du coup, oui. Bah on est venu recritiquer les gardes. Allez, mon voilà. Activité préférée. On va à Paris avec les trucs en or, bande de copieurs. Je pense qu'il est vraiment dedans le roi. Genre, il boit sa petite tasse. Mais j'allais me foutre de ta gueule, mais je me demande genre. Bah alors pourquoi c'est un palais royal alors il est vide? Non mais tout à l'heure on se pose, on fait un petit cours de culture G. Après on va dans un parc, on fait... Non mais Léna, si c'est honteux. Mais ça fait de moi en fait, ça fait moi en fait. C'est d'être conne, super. Non je suis pas conne. Non c'est vrai que t'es pas conne mais t'es inculte. Oui c'est juste... même un peu de culture hein. Oui non mais on a le strict minimum. Oui bah le strict minimum. Bon allez on va voir les gardes, en plus ils font leur show là. Je suis deck, c'est plus les mêmes regards, ils ont changé de costume. Du coup t'es plus inspiré pour les critiquer? Bah si, là c'est des nouveaux donc encore mieux, j'ai des nouvelles critiques à faire. Mon film le là. Pourquoi ils sont figés là? 1, 2, 3 soleil. Moi je veux que le roi il sorte. Oui bah oui. Je veux qu'il me fasse une dédicace. Je pourrais pas faire ça toute la journée moi. T'es comme ça avec une arme tu vois. Tu peux même pas plier le bras on dirait. T'imagines t'es contrôlé toute la journée, tu dois faire un truc précis.
celui-là. L'arme, elle doit être super lourde, hein. Eux, par contre, ils ont des vraies tendinites au bras. Non, mais c'est vraiment la daronne en vacances. Genre, elle filme des trucs nuls et des trucs stylés, elle prend pas en photo. Putain. Notre Uber, il s'est fait arrêter. Il se fait suivre par la police. Oh my god, je me sens trop mal, le pauvre. Pardon. Mais ils le suivent, oh mon dieu. Quoi, là? Du coup, bah, I don't know. Il a annulé. Oh putain, le pauvre. Commande-toi un autre, t'en as commandé un autre? C'est bon, il arrive dans 2 minutes. Calme-toi, toi. On attend le Uber et là, on va aller manger. Allez. Attends. T'as plus de batterie, dépêche-toi là. Je sais pas comment dire. C'est bon, vas-y, je me lance dans 3, 2, 1. Excuse me. Do you know the nightclub here? The name? Oh no, I don't go nightclubs. The area that you guys go now, yeah, is a lot of nightclubs. Ah, ok, thank you so much. Mais dis quoi? Il connaissait pas. Non mais pff, genre tu connais pas. Du coup, où va-t-on? On va manger. Et des trucs bons cette fois. Les meilleurs cookies de tous les temps de l'univers. Prends le truc qu'il faut faire comme si vous allez à Londres, quoi. Si vous aimez la bouffe. Y'a plus? Ouais, ils refont pas des fournis aussi, je sais pas. Ils sont grave populaires et ils refont pas des fournis, il y en a jamais. Hier, on a fait combien de Ben's Cookie pour trouver nos pralinés? 3. Mais je suis MDR, regardez comment elle trace, elle va plus vite que moi. Alors que normalement, je marche hyper vite. Ah, quand c'est pour les cookies, ça court, hein. 2 minutes. Praline and milk, il y en a là. Il y en a. On en prend 6 prochaines. We would like 4 praline and milk chocolate, please. 4 à la praline. Okay, so you want 4 praline. You don't have it with speculoos? No, we're not selling it here. Ah, ok. The one with peanut and milk chocolate. Moi, je n'aime pas celui-là. Moi, j'aime bien. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Aline, je vais mourir. Les cupcakes maintenant. Putain, mais toi, t'en perds pas une miette, ma belle. Énorme beau. Les cupcakes, c'est un peu écœurant. Faut me faire confiance, je choisis les meilleurs. Moi. Chaque fois qu'on va au restaurant, moi je prends les trucs meilleurs et toi tu prends les trucs dégueulasses. Toujours lui. Je prends les trucs les plus dégueulasses de la carte, quoi. Mais les gars, on est tombé sur des autres cookies qui ont l'air exceptionnels. Léna, t'es pas prête, tu vas péter ton crâne. Quoi? Il y a de la pâte à cookies, genre comme ça. Mais Léna, on a déjà pris des cupcakes, des cookies. En fait, on mange comme de la merde, alors on s'en fera pas quand on rentre. Oh my god, ça me donne l'eau à la bouche là. Attends, il y a Kinder Cookie Dough et il y a Mikachu Cookies. Ah non, moi c'est Cookie Dough là. Mais Kinder, ma vie. Bah on prend des deux. Non mais Léna... Toi, le relou là, tiens. Oui mais on est déjà plein dans les valises. On est déjà plein, mais on mange tout avant de partir. Dans le train, si on a une petite faim et tout, on va manger ça. Oui mais on y met où? On a plus de place. J'ai mon gros sac à bas en fait. Oui mais il était déjà plein, donc... Les gars, on arrive à notre parc, aka le parc le plus stylé de Londres en fait. Notre parc préféré, le parc des écureuils en fait. Il est trop beau, on se croirait à Central Park à New York en fait. Bon, écureuil, supplément Big Ben juste là. En plus, il y a le sunset juste derrière. On dit c'est le meilleur parc de Londres, ça se trouve, il y a des parcs mille fois mieux, on a fait que lui en fait. Oui, donc, mais nous, on adore ce parc et on n'en prend pas un autre parce qu'on n'ira jamais ce parc. Jamais dans la vie, tu sais. On dirait nous en plein. De quoi? Bah les écureuils ils étaient. Arrêtez là par contre, elle est complètement folle votre copine là. Oh, y a des canards. Ça c'est vraiment toi, loi perdue là, qui suit non, personne. Là, celle assise là. Ah oui j'avoue. Plus là, les mains qui veut pas marcher. Viens on envole hein. Allez regarder, 10 senteurs. Mais là c'est mieux que le roi. Hein. Ils sont au propre millier. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils sont pas froids. Regarde lui là. Il a froid, il est tout comme ça. Il est là. Il est comment? Oh il est malade. Babe, ça va? Il est une boule. Ça se voit, il se fait harceler le pauvre. Oui. Lui un peu de cookies. Ah non. Léna. Il est déjà assez gros comme ça, Marc. C'est le plus dodu du celui-là. Oula. Là, il arrive. Oula. Tu sais que les Sims c'est hyper agressif. Moi il vient, je peux me barrer en courant. Oulala. En fait un Sim c'est vraiment un canard géant quoi. Lui ça se voit c'est l'harceleur. Oui vraiment. Mais par contre là, qu'est-ce que tu fais le couz? Reste à ta place. Oula. Mais il vient pour nous démontrer là. Ouh, il nous regarde. Oh my god. Oh, il nous fait un spectacle genre. Oh merci. Lui c'est le genre le pick me, je veux trop être la star. Oh. Enfin, faut faire attention monsieur. Il a pas peur. Hein. Il est malade hein. Il a bouffé Alex. Il a fait une photo, il a mangé son pain. Il m'a bouffé le doigt aussi, il m'a pincé le doigt. Oui j'ai eu trop peur. Vous allez voir, il va vous pincer. Hein.
Regardez. Eh ben non, genre on lui donne un peu de cookie, il me fait trop de la peine. Non. Mais Léna. Déjà on fait la dégustation et après on lui donnera. On lui fait comme ça, il revient de lui, ça se voit, c'est un mouton. Viens, on lui donne, bichette. Non, mais. Ils arrivent tous vers nous, les canards. Oh putain. Moi je mange pas là, ils vont venir tous nous. Allez, bouffer. Il va faire nuit, on fait la dégustation, c'est bon. Ils viennent tous vers nous, je te dis, ils vont nous bouffer. Non, c'est mort, je respecte pas. Regardez. Là, mais ils font peur là, vous faites peur. Pourquoi ils sont arrêtés tous d'un coup pour regarder? Oh, mais ils arrivent vraiment tous là-bas. Ils arrivent tous. Bon, vas-y, viens, on essaye et on voit. Allez. Putain, mais t'es inconscient. Mais c'est bon, tu vas pas te faire bouffer par un canard. On commence par quoi? Ils arrivent, ils se battent et tout. Non, ma vie, j'ai trop peur. Non, mais c'est bon là, allez. Non, ma vie, j'ai peur. Mais regarde. C'est bon, ils partent. Non, ils partent pas, ils veulent manger les cocktails. Vraiment chiant, on est entouré de canards. Les canards, c'est hyper méchant. Mais regarde, ils ne font rien depuis tout à l'heure. Mais il y en a deux derrière nous. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Léna, tu crois que la mairie de Londres, elle laisserait les canards à l'air libre s'ils bouffaient les humains? C'est vraiment chiant. C'est normal, il y a de la bouffe. Toujours faire comme toi, tu veux. Mais c'est pas une question comme moi, je veux. Tu veux qu'on mange où en fait? Non, il va faire nuit. En fait. Il va faire nuit. Tu dégages. On a pris les cupcakes chez Lola's Cupcake. Apparemment, ils sont hyper bons. Celui-là, c'est vanille. Il est derrière, je peux pas. Il est bon. C'est une dinguerie. Oh putain. T'as vu? Des malades ces canards, ils sont trop à l'aise. On mange quoi d'autre? On a pris 4, attendez, on vous montre. On a pris carottes, tiramisu, là ce qu'on a mangé c'était vanille. Enfin, ils sont tous cassés la gueule et... Ah oui, salted caramel. Oh, je veux crever là. Mmh. Oh my god. Excellent, meilleur que le carotte. Pas écœurant du tout. Là. Mais Léna, on a même pas fini que tu passes déjà à l'autre. Bah oui, en fait. Bah mets une petite note, je sais pas. Moi franchement, je mets 9 sur 10. Ouais, 9 sur 10. C'était hyper bon, hyper léger. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Tiens, ta petite cuillère parce qu'on va bouffer la pâte à cookies. En gros, c'est de la pâte à cookies mais qui est pas cuite. Donc ça à manger avec modération, il faut manger bien frais normalement, sinon bah ça vous fait mal au ventre. Mais tu travailles là-bas ou quoi? Philippe, je l'ai une stress. Allez, dégage. T'auras rien. Ah. Flop. Flop. C'est pas ouf. Moi j'en mange pas. Ça je mets 6 sur 10. Moi j'ai mis 3 sur 10. Franchement ça m'a déçu. Ça on goûte ou pas? C'est le cookie. Oui, ok. Oui. Et on goûte tout en fait. Pour une fois c'est lui qui veut tout goûter. Là j'ai trop faim. C'est un brownie au cookie. Toujours plus en fait. Ah mais. Mais il se passe quoi là? On a inversé les rôles genre? Écœurant. Il m'a trop transformé en Buffelsi. Genre maintenant les trucs comme ça c'est plus trop mon délire. Genre ça m'écœure maintenant. Bah tant mieux ma vie, t'en auras plus pour toi. Parce que si j'aimerais bien, je t'en aurais pas laissé, tu me connais. Mais dégagez! Et arrêtez de venir! Ils viennent près là! C'est bon, Léna, c'est bon, regarde, ils font rien! Mais ça me fait peur, oh là là! Je suis là, je te protège, je lui saute dessus! Non! Non! Gâchez notre moment! Allez, on dégage! Lui aussi là! Dégage! Allez, hop hop hop! Je suis en colère! Ils s'envolent toujours ma vie, je l'ai traumatisée! Arrête! Oh, il appelle toute sa famille! Mais c'est lunaire ce qui se passe là. C'est quoi ce parc de fous? Tant mieux, tu les as fait fuir, on veut manger tranquille. Moi je te fais que tu les as traumatisés. On est d'accord, j'ai pas été violent genre. Non, tu l'as juste joué après comme un petit enfant fait derrière un pigeon quoi. Bon, le meilleur pour la fin. Ben's Cookies. Oh my god, en plus on en avait pris plein des trucs qu'on a pas goûté je crois. Si vous allez chez Ben's Cookies les gars, le meilleur du meilleur du meilleur de loin, faites-nous confiance, c'est... Le praline. Exceptionnel. Bon allez, on goûte, on vous fait découvrir à vous, mais nous on a déjà goûté, on pouvait pas s'empêcher. Oh là là, moi je teste le matcha là. Moi je prends un praline. Oh là là. Comment on va faire? On parle pas. Ça va que Londres c'est poussé à côté quand même. Je crois que le pire vraiment c'est Shake Shack, parce que là on va pas manger Shake Shack dans la vidéo, parce que ça fait vraiment... On a mangé combien de fois Shake Shack depuis qu'on est arrivé? On a fait la moitié de nos repas à Shake Shack. Non, on peut pas, et puis c'est bon, dégustation Shake Shack, on fait à chaque fois. On va pas repartir sans avoir fait manger Shake Shack. Ce soir. Comme on sait qu'on part, on est en mode il faut qu'on mange un Mac Shake Shack. Mais en fait, on est écœuré là. Je vais être écœuré après avoir mangé Shake Shack, mais pas pendant. Oui, moi aussi. Bah voilà. Ok. Vu qu'on se barre après, on peut en manger un autre. On y va ma vie, puisque c'est pas tout, mais je me pèle le cul. Ouais, moi aussi, j'ai trop froid. Les gars, nouvelle activité, la préférée de Léna. Le shopping. De toute façon il fait nuit donc on a plus rien d'autre à faire hein. Oui, donc autant voilà. Faire du shopping quoi. Surtout qu'on en a pas fait depuis qu'on est arrivé, la vérité. Donc on est raisonnable. Mérite bien une petite session shopping. Derrière qu'est-ce qu'il y a? Charlotte Tilbury. Je cherche ma crème, je la trouve nulle part. Et dès que j'ai vu qu'il y avait un magasin Charlotte Tilbury, même pas un Sephora, un truc, c'est un magasin de ma marque make-up préférée. Alors là, je vais ressortir pochée.
Il y a tout sauf sa crème. Je vais dans un magasin exprès pour prendre la crème, elle est là. Non, c'est pas elle. Tu reconnais à l'odeur. Mais qu'est-ce que c'est vraiment après, c'est la magie. Mais quand je l'habille, il est parfait. Ça va me saouler pendant 4 heures avec sa crème de merde. On commence pas à prendre des trucs dont t'as pas besoin, hein, juste parce que... Regarde, en fait, c'est un magasin dont tu es préféré, donc tu me laisses regarder en fait. Et moi, je suis ton petit ange gardien qui te remémore que tu vas dépenser pour rien. Ça, c'est mon crayon pour me demander tout le temps. Le lip cheek pillow talk. Et après, vous mettez un gloss, n'importe lequel, on s'en fout. L'encadrer carrément. Par contre, 79€ la crème, plus jamais. Charlotte Tilbury, c'est coché dans la liste. Et maintenant, Urban Outfitters. J'espère que je vais ressortir avec un beau jean là, bien large comme j'aime. Hello. Wow, il est trop joli. Là là, faut pas m'emmener dans des trucs comme ça quand j'ai pas de place dans la valise. Ma vie, tu vas me faire une petite tenue. Et là, rappelle-toi de comment j'étais dans le métro quand j'ai porté les valises. Il était en sueur, mais quand je vous dis que sur son visage, on dirait qu'il sortait de la piscine et qu'il avait le visage mouillé. Au moment où je suis comme ça dans le métro, genre entre tous les gens, c'était tout serré, c'était à l'heure de pointe et tout, j'étais en train de suer, elle me dit quoi? On dirait que t'es en train de sortir de la piscine. Merci en fait, j'avais pas besoin de ce genre de commentaires. Oh, il y avait trop cool. Oh non. Elle est trop chaud. Ah ouais, elle est trop belle. Ah, pour te maquiller. Ah bah ça je vous fais. Par contre ça doit coûter hyper cher parce que c'est là. Tu forces. Je le prends là, parce que ton argent c'est le mien. C'est les rayons Attrape-con et nous on achète toujours des trucs dedans. Oui bah moi j'aime bien les rayons. Oh regarde mon bisou. Tu te rappelles? Ah mais la meuf. Il a fini pourri dans un cessage. Oh putain le micro j'aimerais trop mal. Oh le mini. En mode faire ASMR. De quoi? Mais pourquoi faire pour t'entendre chanter avec un micro? Non merci. Je fais grave de soirée film moi alors. En 19€ je peux le trouver sur Amazon, moi je fais. Oh c'est quoi ça? Oh pour reconnaître ton verre, c'est trop stylé. J'aime trop ce rayon là. Bah. Mini Uno. Trop stylé. Il coûte combien? Il coûte 2€ je le prends. 12? Mais c'est énorme. Et c'est un mini. Oh là là, ma grand-mère a acheté. Par contre, fact sur Londres les gars, c'est excessivement cher. Genre vraiment tout est... multiplié de l'euro. Ah, ça c'est les cartes pour les voyantes. Je sais pas qu'on peut s'y procurer comme ça là. Mais c'est des cartes, il n'y a pas besoin d'être une voyante pour en avoir. Je sais qu'elle est vraiment certifiée voyante pour en avoir. La grenouille beaucoup plus stylée, le panda c'est nul. Mais tu vas prendre les deux hein. Non mais heureusement que je suis là parce que tu dépenserais tout ton argent et des choses inutiles, tu serais fauché. C'est pour le make-up ça, je me maquille tous les jours. J'attends ton get ready with me avec ce, avec ce truc. Oh il est trop petit. C'est mon nouveau copain. Ah oh, bah c'est moins cher de ce que j'avais calculé. C'est bon j'ai acheté mes verres, je suis contente. J'ai froid donc je suis ma petite séance sèche-cheveux. Supplément frisson. À chaque fois qu'on rentre dans l'appart, elle se fout de ses cheveux sur elle parce qu'ils gèlent. T'as ressenti les frissons un jour? Oui, c'est vrai. Alors, les frissons, c'est pas bien? Oui. Bah, t'es mieux. Bon, je vous avais dit début de vidéo que j'avais 1, 2, 3 couches. Ah, figurez-vous que ça ne suffit pas du tout. Je vais rajouter mon sweat plus le cardigan. Franchement, si j'ai froid avec ce cardigan, je comprends pas. Je vais me sentir tellement comme ça là. Je vais en rajouter une sixième. Le manteau de ma vie que je lui vole depuis qu'on est arrivé à Londres. Voilà les gars, j'ai 6 couches sur moi. Même au ski, je me couvre pas autant. Il y a quoi dans ta poche là? Lui, il range l'appart. Par contre, le bordel, il les met bien dans ses affaires personnelles. Les gars, on va faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire à Londres. C'est me confectionner mon propre nounours en peluche. Je pouvais pas partir à Londres sans le faire parce que ça fait 3 ans que j'ai vu le TikTok de la meuf. Je m'en suis rappelé, je me suis dit, faut que j'aille confectionner mon nounours. Donc j'espère qu'il y a un nounours qui ressemble à Tyson. Comme ça, quand il me manque, bah, j'aurai la peluche, quoi. Vous voyez? Oh, j'aime trop, j'ai l'impression de retourner en enfance quand je choisis mes cadeaux de Noël. Bon, qui ressemble le plus à Tyson? Bah au niveau de la tête c'est lui hein. C'est le petit
Oh non. Oui, je vois très bien, oui, je vois très moche, elle a dit. Chou, aussi, vraiment un baby bear. Non, mais je fais Tyson. Allez. Oh, tu peux même mettre tes lunettes. Ah. Qui le prend, lui? Il est moche. Bon, je prends lui. T'es sûr? Oui, je vais l'habiller, je vais lui mettre une tenue. Ah, moi, je lui aurais mis un truc London pour souvenir de Tyson et de Londres. Bon, je te fais con ou pas? Ah, non, mais tu peux même mettre tes pantalons, je te... La petite veste, ça coûte combien? J'ai envie de... Ça y est, tu vois, toujours comme les Sony Angels, je m'en foutais. Et elle me met dans ces idées de merde. Le t-shirt, il coûte 6€. Putain, mais Léna. Le beer, il y a pas de prix, tant mieux. Comme ça, je vois pas, je verrai à la caisse. Bon, on fait comme ça? Oui, c'est vrai que c'est cool. Ça, c'est quoi? T'appuies, il y a un cœur, genre. Ah ouais, ça vibre. Oh, prends ça, prends ça. Ok, je le prends. Oh non, les trucs de Noël, c'est trop chou. Mon passeport, je crie. Bah c'est bon, on a notre confessionnalisation. On va le remplir maintenant pour lui donner une âme encore. I'm ready. Jure, là on peut mettre la voix Tyson? C'est une blague? Oh non. Oh, je crie, on va mourir. Léna, calme-toi. Oui, j'avoue, en vrai c'est trop bien. Franchement, là t'as d'être ça. Oula, le vœu pour Tyson là, laisse tomber. C'est trop chaud. Il y a de la chance quand même, vraiment. Thank you Nawa, thank you so much. Elle était trop gentille. J'ai envie de partir, j'ai envie de faire ce boulot avec elle. Il est partout, elle l'aime plus que moi. Oui, tu l'aimes plus que moi? Non mais je rigole pas du tout là. Bah non, clairement pas. Vous êtes au même niveau. Au même niveau? Oui. J'ai mon deuxième Tyson, j'ai acheté un nouveau chien. Bon, next activité, on perd pas une seconde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se transformer en patineuse à glace. Moi je suis trop forte le patin à glace, par contre ma vie... Moi je suis un carnage. Sauf faut pas chercher toutes les activités sportives, je suis cata donc comme ça au moins... Enfin, moi je dis je suis trop forte mais bon... Ouais, on va voir si tu vas pas tomber toi. J'espère que ça va pas coûter trop cher, aujourd'hui on a dépensé une fortune. Hein. Londres c'est trop cher. Si vous pouvez regarder la vidéo de deux fois d'affilée s'il vous plaît, ça nous arrangerait. Tu peux pas les pubs. On va se transformer en fée de glace. Ah, ça va être très très drôle, j'ai très très hâte. J'ai très très peur aussi parce que... Lui c'est vraiment un boulet des pieds. Hein. Tu sais que je crois vraiment que j'ai arrêté de glace. Tu vas te laisser la gueule. Ah oui. T'es prêt? Lance-toi, allez. Oh mon dieu. Il est en roue libre avec son pantacou. Hein. Bah oui. Voilà, bon, à moi, filme-moi. Hey. Et comment elle date ça comme ça? Ouais, calme-toi. Il a trop pris la confiance. Il va super vite. Je date ça. Ouais, bah parle pas trop vite mon chouchou. J'ai plus jambes là. Il fait des tours comme un petit gamin, il s'éclate. Ça fait vraiment genre 10 minutes que je fais des tours. That's her. I asked you your number like 2 days ago. Would like to make a ride from Regent Street to Piccadilly Circus. Is it possible now? Okay, perfect, I'm waiting for you. Thank you. Ah, on va trop rigoler, j'ai trop hâte. Je t'explique, depuis qu'on est arrivé à Londres, on croise plein de petits vélos en mode vélo taxi, genre hyper voyez... coloré avec de la musique, des enceintes et tout. Les 3 jours qu'on attend que de faire ça, l'appel il arrive dans 4 minutes. Attends, on va préparer la playlist. Ah ouais, putain, faut une bête de playlist là. Faut faire aimer le rap français aux londoniens en fait. On va réveiller tout Londres là, c'est parti. Les gars, il est là. Sir, there. Regardez-le avec ses couleurs là. Si l'avant nouveau riche, madame Angélique, je vais ni la théorie, ni au McDonald's. Tellement plouc. On va mettre Chiquita. On va montrer à Londres en fait quelles sont les variétés françaises. C'est hyper drôle, tout le monde nous regarde. Je suis désolée du terme, hein, mais il nous a en...
mais là il nous l'a mis bien profond. Là je rigole parce que je suis dans un bon mood et que je préfère rire que pleurer. C'est chaud là. C'est chaud ce qui vient de se passer. Heureusement, franchement, j'ai kiffé le moment, j'ai tout donné, oui. J'ai hurlé, j'ai été gênant. Par contre, trop gentil, il nous a filmé et tout. Bah, à ce prix-là, oui, je t'ai dit, il peut me filmer et me faire un plan en drone en fait. On a... For free? Thank you. Ah, thank you. Il a compris qu'il nous a b*** la gueule. On va. Non, pas les boulets, les gros pigeons. Mais vraiment, viens, on fait pigeons. Vraiment des. J'ai pas les mots. Vous savez combien il nous avait payé pour 15 minutes, en plus nous même pas déposé à destination? 100 euros. Tout le monde qui nous regarde, je t'en souviens. Il nous a arnaqué mais comme jamais. Il y avait la petite affiche avec le prix et ouais. C'est nous, on a fait les. La vérité là, on a fait les gros richoulous à pas regarder. Et ben voilà, bien fait pour nous. Bon les mafios, on va pas s'éterniser dessus. Si, tu sais très bien, tu me connais, je vais t'en parler jusqu'à... Dans une semaine, je t'en parle encore là de cette histoire. Bon, on va faire l'autre activité là, parce que l'heure tourne. Il y a plus d'activité, il y a plus d'argent là. Dis-moi une activité gratuite si tu veux. Je vais plus rien lâcher, plus ma carte pendant une semaine, c'est mort. Même pas le fait de payer 100, parce que oui, ça me fait mal au cul, la vérité, ça me fait chier. Mais on a la chance quand même de rentabiliser avec YouTube, on a les moyens. C'est juste le principe de... De pas avoir regardé avant, la vérité, on est des bouffons. On peut s'en prendre qu'à nous, on peut s'en prendre qu'à nous, des bouffons. C'est bon, bah vas-y, on est pas à plaindre. Mais j'aurais préféré, la vérité, plutôt que faire un tour de 20 minutes, j'aurais préféré donner un SDF. Je peux plus me les voir ces vélos là. Je peux plus vous voir. Bon, allez, viens, on marche déjà là, jusqu'à rentrer là. On a 40 minutes de marche. Oh, bah regarde ma vie. Tu l'as ton New York là? Je crois pas que je vais te lâcher avec New York, tu peux oublier. Je suis toujours en négociation. Ça arrive, on n'a pas pu faire Halloween parce que c'est trop juste niveau timing, on va chercher un appart et tout. Mais ça arrive, ne crois pas que tu es débarrassé. On verra. Comme tu dis, on verra. Il ira bien, qu'il ira bien. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Coucou. Je vous présente Tyson en peluche, mon petit bambou. Là, il y a le cœur quand on appuie. Je sais pas si vous allez entendre. Oh, je l'aime trop. Quand même, tout à l'heure on a dit quoi au parc? Non, on va quand même pas manger Shake Shack encore. Parce qu'on mangeait les cookies, on était écœurés et tout. Alors que là, non, pas du tout. Ça a changé quoi. Oh, vite là. Oh là là, monte-leur de près. Regardez-moi ça. Hé, hey, Crasse-Pouille, les mains. Faut te laver les mains. Je me suis lavé les mains. Non, ma vie, là, je peux pas, là, j'ai trop faim, là, je me sens pas bien. Là je pense qu'on va vous laisser, hein, là c'est bon, faut arrêter de forcer à filmer jusqu'à minuit. Oui, c'est le genre de scène qui me rend dingue parce que c'est la fin. Je viens de monter 15 ans. Encore on est en train de parler alors qu'en vrai la vidéo elle est trop longue déjà. C'est le moment de se dire au revoir sur un Shake Shack. N'oubliez pas qu'on s'est fait arnaquer de 100 euros alors, pouce en l'air. Pouce en l'air. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Quant à nous on fait plein d'énormes bisous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous. On vous aime pas. Bisous.